Esaïe 43. Isaïa tuku mina misato. Verset premier. Zela kotanga yambo. Esaïe 43, le verset premier, j'ai lu au nom de Jésus. Écoute-moi, quand il va lire, Tangotanga, n'écoute pas la voix de Maître Christian, Mongongo, Maître Christian, mais écoute la voix de ton papa, Yoka Mongongo ya papa na yo, qui te donne une réponse Oezo peso e yano, à tout ce que tu lui posais comme question. Na nyoso baneko tuna lokwa mituna na mokili. Mon fils, alors que tu lis que l'onction prophétique soit sur toi, et que ce soit un réma pour quelqu'un ici. Vas-y. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Avant les hommes ont parlé. Les médecins ont parlé avant. La belle famille a parlé avant. Le patron a parlé avant. Mais maintenant. Ainsi parle maintenant. Vas-y. Qui t'a créé, ô Jacob? Celui qui t'a formé, ô Israël. Qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Continue pour nous. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Aïe. Continue. Quel est le son? Verset 2. Mibale. Si tu traverses les eaux, yes, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Amen. Si tu marches dans le feu, amen, tu ne brûleras pas. Amen. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu te dit, je t'aime, fille. Je t'aime, mon fils. Si tu ne t'aimes pas, je t'aime. Même si tu ne t'aimes pas, je t'aime. Tu n'es pas toujours fier de ce que tu fais, mais moi, je t'aime. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu me dit de te dire, tu es à moi. Ne crains rien. Tu as du prix à mes yeux. Et je t'aime. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame très fort comme quelqu'un qui veut recevoir un rhéma. Ça, c'est pas une parole, ça, c'est un rhéma. C'est pas une prédication. C'est une révélation. Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas si la personne est là. Je ne sais pas comment tu as dormi cette nuit. Comment tu es réveillé. Comment tu commences cette semaine. Comment tu termines cette année. Mais Dieu m'a donné une parole pour toi. Il se peut que je ne t'appelle pas par ton nom. Il se peut que je ne prophétise pas pour toi. Ne sens pas d'ici déçu. Dieu envoie une prophétie. C'est la parole que je te prêche. Si tu le crois, dis je le reçois, Seigneur. Je le reçois, Seigneur. Dis très fort, je le reçois, Seigneur. Je le reçois, Seigneur. Dis très fort, je le reçois, Seigneur. Je le reçois, Seigneur. Dis encore très fort, je le reçois, Seigneur. Je le reçois, Seigneur. J'ai besoin de deux personnes ici. Ok. Io. Mettez-vous ici. D'accord. Mets-toi devant. Zali Bosso. D'accord. Yo. Quelqu'un est prêt pour écouter la parole? Otoma bongsa pona ko iloba. Quelqu'un est prêt pour écouter la parole? Otoma bongsa pona ko iloba. Mon thème est très simple. Motona ngeza pété. Ce n'est pas par rapport au plan de famille. Ezali konisa ma libota songolo. J'ai eu à cœur pendant un petit moment de vous le partager. Nazoki na mona zeki na motema na matango mo pona ko bolamini na yango. À l'école de Dieu. Na itelo ensemble. Dis à ton voisin, à l'école de Dieu. À l'école de Dieu. Encore. À l'école de Dieu. Encore. À l'école de Dieu. Encore. À l'école de Dieu. Pour la dernière fois plus fort. À l'école de Dieu. Dis avec moi, à l'école de Dieu. À l'école de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Mais lobby, ça c'est bien, oui. Qui t'a créé au Jacob. Oh, quel a qui au Jacob. Et qui t'a formé au Israël. Oh, y'a bongi ça qui au Israël. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Mais lobby, ça c'est bien, oui. Qui t'a créé au Jacob et qui t'a formé
Israël. Si vous lisez bien le texte, que tangi malo matangi, on parle d'un seul acteur. Bazolo belaka ka motambu simoko. Et on parle de deux verbes conjugués. Bazolo bela malobami balo e l'acteur c'est l'Éternel. Mon salier est sali Yahweh. C'est Dieu. Et ça ensemble. Et on dit Dieu fait quoi? Il crée Jacob. Amizamba keli Yakobo. Et il forme Israël. Pe abongisi Israël. Écoutez. Yoka malam. Jacob. Yakobo. Est le fruit de la création. Azali mbuma yako kelama. Mais Israël. Kasi Israël est le produit de la formation. Azali mbuma yako bongisama. Pour devenir Jacob, il faut être créé. Pona kokoma Yakobo esengi ba kelayo. Mais pour en venir à Israël, il faut être formé. Pour comment Israël là, esengi ba bongisama yako lisayo. Israël et Jacob Israël ne sont pas deux personnes différentes. Azaba tu mbale ba kesenite. C'est une personne et ça, moto moko, mais ayant deux états. Jacob, Yacobo, c'est la matière première. Et ça, matière, et ça, le yambo. Mais Israël, c'est le produit fini. Et ça, les produits, ce qui c'est ma cambo. Oh, tu n'as pas entendu. Oh, ok, madame Mouté. Jacob, Yacobo, c'est le produit brut. Et ça, les produits, yo, et ça, le lingue. Mais Israël, Israël là, c'est le produit fini. Et ça, les mbouma. On trouve Jacob dans les carrières de mine. Bakuti Yakobo na katesika baluka ka mine. On le prend comme un diamant. Basuye lokola diamant. Mais Israël, à Israël, on le trouve dans des grands magasins à Londres, dans des magasins de diamants de joaillerie bien présentés, bien préparés. Atalisa malamu, asaleka na moto nyolisa manga zonga na makasi azobenda bato. Israël habite dans Jacob. Israël a souvent na katesika Yakobo. Mais tant qu'Israël, tant que Jacob, wana Yakobo, accepte de, refuse d'être, tant que Jacob, wana Yakobo, refuse d'être formé, andimi abongisama, il ne créera pas Israël. Yakokela Israël a pété. Parce que Jacob, pote Yakobo, c'est l'orange. Yangwe zali anana et orange plutôt. Mais Israël, kasi Israël a, c'est le jus d'orange. Ezali mayo uti na kati na malala. Et pour avoir le jus d'orange, il faut prendre l'orange, déformer l'orange, presser l'orange, diminuer l'orange pour que le jus sorte. Voilà pourquoi Dieu t'a déformé, Dieu t'a humilié, Dieu t'a diminué. J'aimerais te dire, à l'école de Dieu, ça fait mal. Mais le monde ne va pas manger l'orange. Le monde veut consommer le jus d'orange. Qui t'a créé Jacob? Akila kyo Yakobo. Qui t'a formé? Sikoyo, abongisio malam. Oh Israël. Oh Israël. Suivez-moi. Landangai. Au présent. Ça c'est. Et je ferai de vous. Fenako sala na bino. Des pécheurs d'hommes. Balobi yabato. Le jour où ils l'ont suivi. Mokolo balanda kiye. Et le jour où ils sont devenus. Mokolo bango ba komi. C'était 3 ans et demi. Ezaki mula misa tonandambo. À l'école de Dieu. Mettez-le ensemble. Dis avec moi à l'école de Dieu. À l'école de Dieu. La grande femme du pasteur habite en toi. Moi si mon néné mon batte le pâté dans mon kili avant de katina yo. Le grand homme politique habite en toi. Mon tombe mon néné politico avant de katina yo. La grande prophétesse habite en toi. Pour ça que mon néné moi si engagé dans katina yo. Mais cette nation-là, Kasi, Ekolowana, ne s'appellera pas Jacob. Bako benga manakombo Yakobote. Elle s'appelle Israël. Abenga misalaela. La dimension de ta vie qui va impacter le monde n'est pas la dimension du produit brut, mais c'est la dimension de ta formation finale. Et pimelo, yetena mo ina eko sima mokili, ezali etuelo, oyo, ya pa bambate, eze pimelo, ya eteni yambumane kembi. Je sens quelqu'un qui a mal. Nazoka motomoko, azoka ma ben makas. Je sens quelqu'un qui passe par des temps difficiles. Nazoka motomoko azoleka, na batango moko ya pasi makas koleka. Tu sais d'où tu viens. Oye besiko tu. Tu sais pas où tu vas. Mon lili osomo te sozo kelete. Quand tu regardes où tu es. Quand on te laisse kozali. Y a personne pour t'aider. Motomoko tazapo nango singa. Y a personne pour t'épauler. Motomoko tazapo nango. Y a personne pour croire en toi. Toi.
Tu viens chez le prophète Joël. Oye pas mon sang Joël. Il prophétise pour les visiteurs. Asako le pana papaya. Et toi-même, il ne te voit pas. Yo moko amonyote. Tu dis même à Dieu. Obisata nzambe. S'il est ton prophète. Sanza mon sang na yo. S'il est vraiment ton prophète. Sanza mon sang penza penza. Il me localise. Amonangai. Et le prophète ne te localise pas. Pe mon sang la monyotate. Tu pries. Obondeli. Aucune vision. Et moi ne m'voté. Tu dors. Olali. Les visions ont disparu. Et moi ne l'peke. Et pourtant tu rêves beaucoup. Zokandolo takaming. Laisse-moi te dire. Zikanga na bisayo. La seule période où le professeur est silencieux à l'école, c'est l'heure de l'examen. Oh, tu n'as pas entendu. Le seul moment à l'école, quand le professeur est silencieux, pendant les cours, il parle, il vous fait taire parce que vous dérangez. Il demande votre attention. Il parle. Tu sommeilles. Il parle. Tu as faim. Il parle. Et il finit le cours. Lorsque c'est l'examen, tu demandes la question. Il te tourne le dos. Tu veux bien comprendre la question. Il sort. Abimi libanda. Pourquoi es-tu silencieux, mon Dieu? C'est maintenant l'épreuve. C'est maintenant l'examen. Moi, Dieu, je veux voir si tu as compris tout ce que je t'ai enseigné. Tout ce que moi, Dieu, je veux voir si tu as compris ce que je t'ai enseigné. Pourquoi tu es silencieux? Parce que Dieu veut voir si tu as compris ce que le prophète prêche. Toutes les déclarations que nous sortons ici. Et à la fin, il le fait parce que Israël doit sortir de Jacob. Jacob, c'est Simon. Israël, c'est Pierre. Jacob, c'est l'orpheline Esther. Ezali, moana moku fait mon papa oh moana mo ici que Esther. Mais Israël, quand il s'allait là, c'est la reine Esther. Yenda Ezali, moasi a mokonzi Esther là. Jacob, c'est Saul. Ezali Saul, mais Israël, quand Israël, c'est Paul. Eza Paulo. Jacob, c'est Kenny West. Ezali Kenny West. Oh, tu n'as pas dit amen. On a bien amen, est-ce que vous allez? Mais moi, l'Éternel, je crée Jacob. Na quel Jacob? Mais Israël. Israël là? Je le forme. Na zo pongise malam. Tout ce qui t'arrive. Nous sommes comme là yo. N'est pas toujours Satan. Tant que nous sommes toujours pas Satan la terre. Il y a une main de Dieu derrière. Et ça, le bon comment ça me la simana yango? Qui est en train de mélanger les bonnes et les mauvaises choses? Oezo sangisa. Esaïe 45 dit ceci. Moi l'Éternel, je crée les ténèbres et la lumière. Je forme la prospérité et je crée l'adversité. Les mauvaises choses ne viennent pas que des liens de sang. Lamentation dit. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est pas de la volonté de l'Éternel que viennent les mots et les biens. Même les mauvaises choses viennent aussi de Dieu. Oh, tu n'as pas entendu. La même nuit, Joseph faisait un songe. Joseph se réveille. Il explique son songe. Le même jour, un processus a commencé pour accomplir le truc. Mais ce processus l'a emmené dans le puits, l'a emmené dans le milieu de commerce, l'a emmené en Égypte. Ce que ses frères pas, ses frères ne savaient pas, en le faisant du mal, ils étaient un moyen de transport pour faire quitter Joseph de Jacob. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Afin de devenir Israël. Je bénis tes ennemis. Je bénis tes ennemis. Parce que ceux qui ne savent pas,
Il te rapproche du lieu de ta destination. Et même quand tu es dans le puits, même quand tu es dans la prison, regarde ta carte d'embarquement. En Éthiopie, c'est l'escale. C'est pas la destination finale. J'aimerais dire à quelqu'un ce... Donc quoi tu es là maintenant? C'est l'escale. C'est une transition. C'est un lieu de formation. C'est que j'aime. On était dernièrement avec Christian. Lors de l'escale, quelque chose passe. Et comment il est qui? J'ai un port gentil. Tu es comme dans Lagos. On arrive à Lagos. On devait maintenant aller à Lomé. Et c'est notre Lomé. Alors on est à Lagos. On fait 45 minutes. Et pendant ce temps-là, d'autres passagers descendaient. D'autres passagers montaient. Lors de la transition. Il se peut qu'il y ait des gens qui quittent ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu ne permettra pas. Les gens quittent sans que d'autres ne remplacent. Tous ceux avec qui on a commencé le voyage ne sont pas obligés de terminer le voyage avec nous. Voilà pourquoi Abraham a dit à ses serviteurs: restez ici. Ce n'est pas parce qu'on a commencé qu'on doit terminer. Quand quelqu'un quitte ta vie, dis-lui bye bye. Oh, tu n'as pas dit amen. Des fois, c'est la main de Dieu qui sort des gens de ta vie. Parce que leur partition est arrêtée. Mais ce que j'aime, pendant que vous êtes là, les ingénieurs viennent avec des tuyaux et font entrer du kérosène. Quand tu es dans, dans l'avion, tu ne sens pas le kérosène entrer. Tu ne sais pas les capacités que Dieu développe en toi pendant l'épreuve. Tu ne sais toujours pas les gens d'énergie que Dieu fait entrer en toi pendant les temps de formation. Mais je t'annonce que ce pourquoi tu as attendu, c'était pour que tu aies la capacité d'arriver à destination. Amen. Et j'aime dans l'avion, parce que personne dans l'avion n'a demandé le diplôme du pilote pour être sûr qu'il arrivera. Aucun des passagers, mon côté, ma passager, ne s'inquiète d'abord de voir le pilote à tout ça. Maintenant, à qui il va confier sa vie. Et pas pour que ça va mon inaye. On se met dans l'avion. De fond dans la pépo. Tous les uns, on ferme les yeux. Misusu, ma kangi misu. Et on dort. Alali, tu n'as pas besoin de voir Dieu. Osa na bosenga te akomo na nzambe. Pour faire confiance au Dieu qui va t'amener à destination. Pour ça, la confiance dans la destination. Le pilote de ta famille. Pilote c'est Alibotanayo. Le pilote de tes enfants. Le pilote de tes fiançailles. Le pilote de la porte des cieux. Je n'ai pas besoin de le voir. Car la foi est une ferme assurance. Quelque chose qu'on espère est une démonstration. Aucune zone de turbulence ne dure éternellement. On ne sort pas de l'avion parce qu'il y a zone de turbulence. On attache la ceinture. Et on attend. Pourquoi? Parce que bientôt ça se stabilisera. Ne quitte pas quelqu'un parce qu'il passe par des temps difficiles. Ne quitte pas une femme parce qu'elle passe par des temps difficiles. La vie nous a montré qu'il faut être humble. Je parle avec un couple. Ils m'ont dit: prophète, on était à une fête. Excusez-moi, on était assis avec les gens de la famille du chef de l'État. Il a dit: prophète, tant que tu as du pouvoir, amen. Il dit: Nathalie Batumsus, Naibi Bango,
Nalobi na jour moko kaka. Pouf. Viens me te changer. En un jour la vie de quelqu'un change. Quand tu as le pouvoir au sentir que as le pouvoir. Quand il a le pouvoir, tu sens qu'il a le pouvoir. Affronte la vie avec humilité. Undi saba moyina komi kitisa. Et ne méprise jamais quelqu'un. Pe ko chola moto moko te na mokili. Protocole est protocole A. Ah. Recevez tout le monde bien à la porte. Yamba motone soma lamune kuke. Ne donnez pas les premières places parce qu'il y a une Range Rover dehors. Kopé sesika ya moté po été azana moto kané libanda. Le jour où l'esclave Joseph entrait, traversait la frontière. Mon collègue esclave Joseph banda ko katisa frontière, il entrait en Égypte. Avana côté l'Égypte. Les agents frontaliers ne savaient pas. Bato bazaka na frontière ba yebaki. C'est le futur premier ministre. Yena za futur premier ministre na bango. Protocole, soyez gentil. Protocole zala na gentil. Respectez tout le monde qui entre. Tosa moto za ko. Peut-être que c'est ton futur beau-père. Peut-être que c'est ta future femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La vie est bizarre. La vie est bizarre. La vie est bizarre. Tout est sur la finalité. Ne te moque pas de quelqu'un avant sa mort. Oyebite. Tu ne sais pas. Oya bengaye. C'est lui qui l'a choisi. Obité na usine ni nazo travailler. Tu ne sais pas dans quelle usine il est en train de le traiter. Ata vie na ezana molili. Même si ça vient dans les ténèbres. Ata ministère na ezana molili. Même si son ministère dans les ténèbres. Ba photo ya kala. Les anciennes photos. Appareil photo à kala. Les anciens appareils photo. Ezalaka. Ba appareil photo à kala. Les anciens appareils. Ezalaka. Tango ba kangi photo. C'était lorsqu'on prend la photo. Ba robimisango na technologie té. On va pas sortir ça avec la technologie d'aujourd'hui. Pellicule. On va prendre les pellicules. Oh, c'est là qu'il y a bilongé en noir blanc. C'est qui était ça qui avait les couleurs noir chocolat. Et même on a quatre salles, ben la chambre noire. On amène ça dans la chambre noire. Et sur pellicule na molili. On prend les pellicules dans le noir. Et pellicule ben la kango négatif. Les pellicules on appelle ça négatif. Maresopra yakaya. Et quand ici on a quatre à maille. On fait entrer ça dans l'eau. Et soukoli yango. On lave cela. Tango bimisi yango. Quand ça sort. Et le moins négatif. Ça quitte négatif. Et comme positif. Ça devient positif. Et cela qui n'a deux couleurs. C'était deux, avait deux et couleurs. Et comme multicoloré. Ça devient multicolore. Tango msusufi nanga est dans la chambre noire en Zambie. Peut-être que ma vie est dans la chambre noire de Dieu. Ah, na habite son dans hôtel mutumo raza. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. Tango msusufi nayo. Peut-être que ta vie est la chambre noire. C'est la chambre noire. Bon, on te voit pas. Ta vie est noire et obscure. Tes enfants obscurs. Tes affaires obscures. Ne crains pas. Celui qui te tient t'a bien tenu. Asimi Jacob. Celui qui tient Jacob. Azo lambayo. Il est en train de le préparer. Azo longola lolendo. Il enlève l'orgueil. Azo longola masumu. Il enlève le péché. Azo longola arrogance. Il enlève l'arrogance. Pourtant wa kobimisa yo. Pour que quand il va te présenter. Que tu puisses pas te vanter. Batuba adoré yote. Que les gens ne t'adorent pas. Mais oloba l'Éternel est bon. Et que tu dises l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Dis à ton voisin, je suis dans la chambre noire. Amen. Je suis dans la chambre noire. Je suis dans la chambre noire. Mais je ne veux pas vivre longtemps dans la chambre noire. Je suis là pour un but. Dieu est en train de me travailler. De me modeler. De me façonner. Et je vais devenir celui qu'il a prévu que je sois. Ne méprise pas une chenille. Yo. Comment la chenille pambate? Tu peux l'avoir avancé calmement. Au moins azotambola moyen moyen. Ne te moque pas de la chenille. Yo, kose kambinzote. Un papillon se cache dedans. Papillon, toli peka peka. Celui qui allait à petit pas. Prendra bientôt son envol. Je te vois maintenant prendre ton envol. Amen. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Je te vois maintenant prendre ton envol. Amen. Amen. Dieu me dit de te dire, j'ai le contrôle dans cette situation. Amen. Je sais que tu as mal, je sais que tu pleures, je sais que tu es impatiente. Dieu me dit de te dire, je t'aime.
Voilà pourquoi je te traite durement. Je t'aime. Voilà pourquoi je te brise tellement. Je t'aime. Et je prévois de grandes responsabilités pour toi. Voilà pourquoi ta formation n'est pas comme la formation de tout le monde. Tu as de grandes responsabilités qui t'attendent. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Prophète, vous êtes beaucoup dans votre génération. Pourquoi tu as été autant combattu? Pourquoi? Tu sais, quand Paul est arrivé dans l'île de Malte, on a vu le serpent le mordre. Les gens ont dit vraiment. La justice divine veut le punir. Parce que comment ces gens, ils sont sauvés de la mer. Miraculeusement, ils sont tous vivants. Mais comment lui, un serpent vient le mordre. Il a un problème. Tu sais, des fois, toi-même, tu ne te comprends pas. Quand les gens te voient, chaque année, épreuve. Problème. Problème. Des fois, on se dit, ils doivent être maudits. Ils doivent avoir des péchés qu'ils commettent. Ils doivent avoir des choses qu'ils ne veulent pas laisser. Quel péché Paul avait commis? Dieu forme ses plus grands généraux dans les plus grandes tempêtes. Dieu forme ses plus grands instruments dans les moments d'épreuve les plus intenses. Afin que quand il va t'élever, que rien ne te sépare avec lui. Tu sais, dans ma vie, j'ai perdu des gens. J'ai perdu des amis. J'ai perdu des fils. J'ai perdu des membres de famille. À un moment, je me dis, Seigneur, pourquoi tu me traites si durement? Laisse-la quelques semaines. Je me tenais ici pour prêcher. Alors que le corps de mon frère est exposé au coin ici. Et tu dois prêcher. Tu dois prophétiser. Parce que les gens qui viennent ne viennent pas pour que tu les fasses pitié. Les gens qui viennent, viennent pour leur solution. Tu as mal dans ton cœur. Mais tu dois faire semblant. Et tu dois être fort pour tout le monde. Si je te parle des gens, des preuves que j'ai connues dans ma vie, peut-être que ce n'est pas au même niveau que toi. Mais chaque fois que je passe par ces moments-là, je me rappelle que Dieu est le divin potier. Pour que tu sois le vase d'honneur qu'il attend. Selon les prophéties qu'on disait de toi quand tu étais encore jeune, il va te modeler. Il va te façonner jusqu'à te donner la forme que tu dois avoir. Et ça, c'est pas facile. La seule chose, ou parmi les seules choses qui me donnent la force de tenir tous les jours, c'est vous. Amen. 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 Je répète, l'une des choses qui me permet d'être là en train de prêcher. Un ami m'a appelé m'a dit, prophète, toi tu es une machine ou quoi? Tu prêches tout le temps. Tu ne reposes pas. Là par exemple, ces deux semaines, je suis épuisé. Mais je sens que je suis prêt pour le séminaire de demain. Dis amen bien. Amen. Mais quand je me lève le matin, je dis, il y a des gens qui croient en moi. Il y a des gens qui ont souffert avec moi. Il y a des gens, avant de venir à 10e rue, on m'a déjà insulté en route avant qu'ils n'arrivent ici. On les a déjà découragés avant qu'ils viennent ici. Mais ils disent, non, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et je me dis, pour ces gens-là, pour Colombe, pour la Colombe, pour Patricia, pour la Patricia, pour Joseph, pour la Joseph, pour 13 avril, pour la 13 avril, pour Joël, pour la Joël, pour Paul, pour la Paul, je ne vais pas lâcher. Nagoti Kate,
ne lâche pas pour tes enfants. Écoute-moi, si tu lâches, les mêmes gens là qui t'ont critiqué sont les mêmes gens qui vont se moquer de toi. Ne donne pas à tes ennemis l'occasion de se moquer de toi. Quand ça ne va pas, lève-toi et suis-les-là. Il dit, je vais continuer. Dis, je vais continuer. Je vais continuer. Dis à ton voisin, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Je vais continuer. Je vais continuer. Et je décrète et déclare sur quelqu'un aujourd'hui. Israël qui est en toi. Israël va maintenant sortir. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Israël qui est en toi, Israël, il va maintenant sortir. Amen. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Israël que tu as vu dans les rêves, que les prophètes ont révélé, il est sur le point d'apparaître. 2020, c'est l'année de l'accomplissement. Amen. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. 2020, c'est l'année de l'accomplissement. Amen. Reste debout là où tu es. Si tu es à côté, les magasins sont là. Venez. Restez là. Où là? Viens. Oya. Non, silence, viens. Il a fait combien de secondes pour arriver ici? À celle de seconde, mon point est Awa. Pardon? À peu près? 2 secondes. Viens. Yaka. Stop. Élément. Demi-tour. Aluka. Demi-tour. Aluka Sundambo. Longe cette allée. Vas-y. Kende Karaliboso. Stop. Élément. Va à l'entrée de la réception. Où t'en réception? Entre à la réception. Kota na kata réception. Viens dans la cuisine. Yaka esika na makusa. Arabasha. Tu entends ma voix? Osoka mongongo na ngai. Viens à la cuisine. Yaka na makusa. Descends. Kita. Longe le mur. Nyeloka kuna kote na felo. Là où on est en train de construire. Et c'est qu'à Bazotonga. Adabashan. Amen. Nzambe, oh, mais maman, wapi. Seigneur, tu m'amènes nous. Moussousou, obengi bango bakomi mbala moko. D'autres, tu les appelles, ils arrivent directement, facilement. Baba li mbala moko. Ils se sont mariés facilement. Batongi ba église aminene mbala moko. Ils ont construit des grandes églises facilement. Ils ont eu des connexions facilement. Mais ma voix est compliquée. Que je prenne la gauche, je reprenne la droite. Une seule chose qui me conduit, c'est ta voix. Monte sur l'autel. Matana et Tumbelo. Question. Les deux sont-ils arrivés? Oui. Deuxième question. Les deux ont-ils été appelés? Troisième question. Entre les deux, qui a le plus duré? C'est qui? Israël. Israël. Il a fait combien de minutes? Peut-être. Moins de 5 minutes. Maintenant, ma grande question est celle-ci.
entre lui Naïe. Et lui Naïe. Lequel des deux a beaucoup de choses à nous raconter sur son parcours? Lequel des deux? Aïe. Je ne sais pas qui j'ai parlé aujourd'hui. Lequel des deux a quelque chose à raconter? Oui. Il n'a rien vu. Je l'ai appelé et il est arrivé. Mais lui, il a vu des choses que lui n'a pas vues. Il est passé par des voies que lui, par lesquelles il n'a pas passé. Il a été seul. Il a laissé la masse. La seule chose qui l'a conduit, c'était le son de ma voix. Et il est arrivé ici. Il n'a pas duré parce que je ne l'aime pas. Il n'a pas duré parce que je le punis. Il n'a pas duré parce que lui, il est mon préféré. Mais il a duré pour avoir quelque chose à raconter. Des épreuves ne sont pas venus pour te tuer, mais pour te donner quelque chose à raconter. L'étoile de Dieu n'est pas venue pour te punir, mais pour te donner un témoignage. Tu ne diras plus le Dieu d'Elisabeth et de Zacharie. Mais tu diras, j'ai attendu des années. Maintenant, tu m'as donné des enfants. Si on s'en va passer à Bana. L'école de Dieu, c'est difficile. Et tu es l'ensemble. Et ça passe. Ça fait mal. Et soit car. Des fois, tu es seul quelque part. Dans mon oeil, il y a personne qui est à côté de toi. Juste le son de sa voix. Kaka, tu vas abandonner la foi. N'abandonne pas. Celui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre. Oh, yabanaki, le monde a bien mon salaire qui toque. L'emmènera jusqu'à la fin au jour du Seigneur. Celui qui t'a créé Jacob. Et qui t'a formé Israël. Il était venu comme Jacob. Il était seul. Et l'ange lui est apparu. Et a lutté avec lui jusqu'au lever du jour. Des fois, l'ange ne vient pas parce que tu es trop entouré. Des fois, c'est quand tu es seul. Tu es seul. Tu es seul. Que Dieu vienne. Que Dieu vienne. Pour chercher Israël qui va faire bon ça. Jacob a rencontré l'ange. Marché comme ça. Mais après qu'il ait rencontré l'ange, il marchait comme ça. Quand Dieu brise Jacob, des fois il brise ce qui te permet d'être debout. Il peut enlever un travail. Il peut enlever une relation. Il peut enlever un avantage. Pour que tu ne dépendes pas de toi. Mais que tu dises, l'Éternel est ma force. Yahweh est ma force. Et mon secours. Et Jacob a dit, j'ai rencontré Dieu face à face. Il n'a pas dit, ma hanche a été brisée. Il dit, mon âme a été sauvée. Tout ce que Dieu fait, c'est changer ton caractère. Briser quelque chose en toi. Afin que Jacob devienne Israël. Mais je termine en disant ceci. La grande question. Quand Dieu se fait appeler Dieu. Des patriarches. Malgré qu'il avait changé le nom d'Israël. Il ne se fait jamais appeler. Le Dieu d'Abraham. D'Isaac. Et d'Israël. Il se fait toujours appeler. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu sais pourquoi?
Parce que dans chacun de nous, il y a un Israël et un Jacob. Et Dieu n'est pas le Dieu de l'homme fort en toi. Dieu est le Dieu de l'homme faible en toi. Dieu n'est pas le Dieu de la femme parfaite en toi. Dieu est le Dieu de la femme faible et imparfaite en toi. Parce que le sacrifice qui te plaît, c'est un esprit brisé et contrit. Je ne sais pas qui va s'avancer devant l'autel. Mais j'aimerais appeler un Jacob qui est dans la fournaise, qui est dans l'épreuve, qui est dans l'école. Dieu n'a pas fini avec toi. Il a changé ma prédication. Il a changé le culte. Parce qu'il voulait te parler. Je ne sais pas si tu seras à genoux ou debout. Devant Dieu. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais Dieu est avec toi. Cours devant Dieu. Cours devant Dieu. Est-ce que l'assemblée peut être debout? Ceux qui sont à genoux, restez à genoux. Soyez en prière. Il est là. Il est là, maman. Papa, il est là. Papa, je sais que c'est difficile. Mais il est là. Kasi, Azaliwana. Batuba kufelaka Yesu anzimi Kotsiango katinanga Nazava zebete Epanzana kapamba pamba Yesu anzimi iske Il a investi en moi A fungo linzela A kisi nga yango A suki wanate Lazo tambu sanga Nana koma kola na ye Na koma kola na ye, visi
te aluka kawaya bete si awe Je ne sais pas à qui ce message était adressé, mais je crois que c'était à toi. Tu es Jacob dans mes mains. Fais-moi confiance. Je vais te former dans mon école pour devenir Israël. Et devenir la fondation d'une grande nation. Ta trajectoire n'est pas plaisante. Elle n'est pas agréable, ton chemin. Mais c'est le chemin qu'il a prévu. Regardez Israël, le tour qu'il a fait. Enfin, tu te dis, mais pourquoi Dieu me fait toujours passer par des choses compliquées? C'est pour qu'à chaque étape, il te donne la sagesse. Par des leçons que tu vas tirer des expériences de la vie. Et à chaque stop, tu auras une nouvelle révélation de ce qu'il est. Chaque épreuve
formera l'adorateur qui est en toi. Et prévisongolo et ko boko la mokuma melu azakati na yo. Cette personne qui même dans la gloire n'oubliera jamais le Dieu qu'il a tiré derrière les brebis de son père. Moto atana kati na kembo na ya kobosa na te zambo abenda na simba pati atata na ye. Le processus moango c'est pour te donner le cœur et le caractère qui va supporter la gloire qui va venir. Et zapona ko pesa yo motema o ekokiko mema malamu nkembo ekoya. Mais te rassure, tu passeras par le feu. Il sera là. Par les eaux. Il sera là. Parce que tu as du prix à ses yeux. Et parce qu'il t'aime. Sois fortifié. Sois encouragé. Et sois consolé. Par cette parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu seras couronné. Après ce combat, est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort? Je ne sais pas si Dieu t'a parlé aujourd'hui. Mais il a promis de toujours être là. Hey, la.